Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Retour sur l'incident inattendu qui a marqué le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, lorsque Zinedine Zidane, chargé de porter la flamme olympique, a été confronté à une panne de métro. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a immédiatement capté l'attention avec une séquence aussi inattendue que typiquement parisienne. Zinedine Zidane, légende du football et porteur de la flamme olympique, a dû faire face à une panne de métro, un incident relevé par le magazine Public et abondamment commenté sur les réseaux sociaux. Pressenti depuis plusieurs semaines pour être le dernier porteur de la flamme olympique, Zinedine Zidane s'est engagé dans un parcours à travers la capitale française. Ce trajet symbolique, destiné à mettre en valeur les différents aspects culturels et historiques de Paris, a été ponctué de rencontres et d'événements marquants. C'est en utilisant le métro parisien que Zidane a connu un léger contretemps. Une panne inattendue a immobilisé la rame dans laquelle il se trouvait, offrant une séquence aussi imprévisible que représentative de la vie parisienne. Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Les réseaux sociaux, notamment X, anciennement Twitter, ont été inondés de commentaires suite à cet incident. Zinedine Zidane bloqué sur son parcours comme porteur de la flamme olympique à cause de la RATP. C'est tellement ça Paris, ou encore, la séquence du métro de la RATP qui tombe en panne dans l'intro avec Zinedine Zidane, ça représente déjà très bien Paris, peut-on lire parmi les nombreuses réactions. Cet incident a été perçu comme un symbole de la réalité quotidienne des Parisiens, ajoutant une touche d'authenticité à la cérémonie d'ouverture. Bien que l'interruption ait été brève, elle a offert un moment de connexion entre le public et l'un des plus grands sportifs français, confronté à une situation que beaucoup connaissent bien. Malgré ce contretemps, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a su démarrer sur une note mémorable. Zinedine Zidane a repris son parcours et a continué à porter la flamme olympique avec la même détermination qui a marqué sa carrière. Cet incident a ajouté une dimension humaine et relatable à l'événement, rendant cette ouverture encore plus spéciale. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a montré que même les événements les plus planifiés peuvent être enrichis par des imprévus. La panne de métro a non seulement humanisé la figure de Zinedine Zidane, mais elle a également offert un aperçu authentique de la vie parisienne. Restez connectés pour d'autres moments mémorables des Jeux.